Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo que vous avez beaucoup demandé. Je suis revenu au mur que j'ai monté avec le pire vélo de Thaïlande et vous avez été très nombreux à me demander de le refaire une fois que j'aurai reçu mon Yadigo. Le jour est venu, c'est parti pour environ 4-5 minutes d'effort. Le record est à environ 4 minutes et 14 secondes, donc on va essayer de le battre. Mon record personnel était de 6 minutes et quelques, donc voilà, il n'y a plus qu'à. C'est parti les amis. Là on a un gros segment plat au début où il va falloir rouler très vite et ça va faire monter le cœur. Ça me stresse un peu les amis. Je me mets la pression pour essayer de faire un bon temps. Donc j'espère que vous croyez en moi en tout cas. Et je vais faire mon possible hein, tout simplement. Allez c'est parti. On part donc pour un segment d'1,3 km à 8,5% de moyenne, sachant que tout le début est plat, je vous laisse imaginer les pourcentages extrêmes qu'il se trouve sur la fin de ce segment. On voit donc que je prends cette fois-ci de l'élan, parce que oui, avec des plateaux et des vitesses, c'est quand même vachement plus simple d'arriver vite dans le segment afin de pas commencer à 0 km/h. Donc on voit que je pars très vite d'ailleurs, 30 km/h. Le segment commence juste après le virage sur la gauche, un virage d'ailleurs assez technique où il va pas falloir tomber, hein, parce que ce serait dommage juste à l'entraînement de tomber. Le segment commence donc environ maintenant. Et là, comme vous pouvez voir, je relance très fort. Je suis déjà à 36 km/h. On peut voir que déjà l'effort se lit sur mon visage. Malheureusement, le cœur n'a pas fonctionné. Ça, c'est une grosse déception. J'aurais aimé voir à combien je suis monté. Malheureusement, on ne le saura pas. On voit donc que les pentes sont déjà à 3%. Et pourtant, j'ai l'impression dans ma tête que c'est plutôt plat ici. Alors que finalement, mon cœur, lui, commence à déjà monter, monter, monter. Et vous allez voir qu'il va finir très très haut, je pense, en haut de ce segment, parce que il est vraiment hardcore et très très difficile. Et comme je vous ai dit, je veux gagner, donc je peux pas me permettre de partir doucement. Du coup, je vais partir vite. Déjà, on va avoir cette voiture-là qui va me mettre un petit coup de stress, parce que je me dis, putain, elle va me freiner, elle va me freiner, elle va me freiner. Vas-y, je la double pile au moment où il y a le dodan. Donc là, je passe le dodan. Et maintenant, on passe avec le plan de vue drone. Donc on va voir quand même de loin comment ça se passe, et franchement c'est un point de vue que j'adore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs n'oubliez pas de liker, c'est vraiment super important pour mettre en avant les vidéos. Et là c'est bon, on attaque les pourcentages les plus durs. On est déjà à 12% ici, alors on s'en rend pas compte à la GoPro, mais regardez en bas à droite de l'écran, il y a 14% ici, et là ça commence à être très dur, mais pour l'instant je fais un très très bon temps. C'est bon, on a fini le premier palier difficile. Maintenant, on est dans une pente un peu plus régulière, c'est-à-dire qu'on est sur du 9%. C'est un peu plus agréable à passer, mais ça reste pas moins difficile. Là, le cœur ne redescend pas. J'essaye de profiter de cette pente un peu moins violente pour gagner du temps, parce que tout simplement, je me doute que c'est sur ces parties-là que je suis le plus efficace, étant un coureur plutôt lourd, que c'est pas dans les pourcentages les plus extrêmes que je vais gagner un maximum de temps. Donc là, j'essaye de prendre un maximum d'avance pour essayer de gagner ce segment, tout simplement. On a déjà fait plus de la moitié, mais il nous reste encore deux gros paliers avec des grosses pentes. Et là, on s'en rend pas compte, mais j'ai quand même 11% dans les jambes. Hein. Je me débat avec mon vélo, on le voit de toute façon très très bien. Que ce soit en drone ou de face, mon visage, il est dans la douleur. C'est très très difficile. Et à ce moment-là, en fait, je me rends compte que je suis pas particulièrement bien aujourd'hui. J'ai des jambes très lourdes, ça pique, mais je vais rien lâcher. Hein. Je suis vraiment là pour gagner. Je m'étais mis la pression avant de commencer ce segment. Je voulais pas perdre. Je veux vraiment aller chercher ce com. Et là, on arrive donc dans le petit palier de récupération avant le deuxième gros palier difficile. Donc là, on voit que je ralentis légèrement et c'est à ce moment-là que je vais coincer un petit peu. C'est-à-dire que, bam, ici, on retape dans les pourcentages extrêmes. Et là, cette deuxième partie, par contre, je la subis totalement. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout efficace. À l'échauffement, j'ai donc monté la côte une fois à l'échauffement, j'allais plus vite que ici, dans cette côte. Tout simplement parce qu'à l'échauffement, je me suis pas mis à bloc en amont dans la première partie, comme j'ai pu le faire ici, pendant cette tentative de record. Et du coup, là où on est dans les pourcentages les plus extrêmes, on ne le voit pas forcément à l'image. Hein. C'est ça qui est dommage, ça écrase vachement. Mais bon, tout ça, on le voit avec le chiffre, 16% de pente. C'est juste énorme. J'ai pas du tout fait ça chez moi en France, c'est quelque chose que je connais pas, des pourcentages aussi extrêmes. Et là on me voit me débattre avec mon vélo à 8 km/h, mais on est quasiment en haut. Je ne vois pas encore le temple symbolisant l'arrivée, tout simplement parce que la courbe fait que je ne le vois pas. Mais je me débat avec le vélo, je sais qu'il reste
plus grand chose à faire, mais je commence à zigzaguer tout simplement parce que ben, je plante totalement, j'ai pas trop les jambes finalement. Je commence à avoir des fourmis dans les bras en fait. Il faisait très très chaud ce jour-là, donc je pense que ça a dû jouer aussi sur mon cœur, sur mon état physique. Donc là, je me débats avec le vélo, il va tout falloir faire en fait. Là où je voulais battre le record, là pour l'instant, le but ça va être d'amener le vélo jusqu'à la ligne d'arrivée sans poser pied à terre, parce que là c'est très très difficile. On voit que je roule vraiment pas vite du tout, et c'est très difficile moralement aussi dans ma tête, parce que je voulais battre le record, et je ne sais pas du tout à quel temps je suis là, mais je me rends compte que je roule pas très très vite. Et là, de loin, on s'en rend bien compte, je me débats avec le vélo, hein, finalement. Je suis pas là dans une performance extraordinaire, mais je suis bien ici, dans une survie, finalement. On essaye de survivre à ce mur qui est extrême, et c'est bon, je commence à apercevoir ce temple qui symbolise l'arrivée. Enfin, l'arrivée est juste un peu après, c'est pour ça que je vais continuer un tout petit peu mon effort après le temps pour être sûr de valider le segment. Les pentes commencent à se réduire, et là, vous voyez, je suis complètement à bloc, j'arrive même pas à faire un sprint. Je vais juste continuer de pédaler un petit peu jusqu'au bout, parce que le segment continue un petit peu et je voulais pas me faire avoir. Donc là, je vais pédaler un petit peu, mais c'est bon, je l'ai fait. Je suis arrivé en haut, et regardez sur mon visage, ça se voit très clairement, je suis complètement à bloc. Je pense que je suis monté au moins à 200 sur cet effort, pendant quasiment toute la montée, je pense, parce que clairement, j'ai rarement autant souffert. Vous allez voir juste après quand je vais m'asseoir par terre. Mais en fait, ça me brûlait à l'intérieur, dans ma trachée, dans mon cœur. Ça me brûlait comme ça m'a très, très rarement brûlé. Ça a été vraiment un effort hardcore. Forcément, c'est des efforts très courts. Un effort de 5 minutes et quelques, mais ça, on analysera ça à la fin de cette vidéo. Et du coup, là, ça m'a mis complètement minable. J'avais qu'une envie, c'était de m'allonger par terre. Fallait que je redescende un tout petit peu pour aller rejoindre Noémie qui me cadrait pour la vidéo afin que vous ayez les images. Donc là, il fallait que je fasse pour moi un effort très difficile, c'est-à-dire juste redescendre sans faire de malaise, que j'avais vraiment la tête qui tournait. Ça a été un peu horrible, mais voilà, on va aller doucement rejoindre Noémie et avoir ma réaction à chaud. Oh là. À bloc le gars. Ça va pas du tout. Ah ouais. T'as la tête qui tourne. Tu veux de l'eau? Bon, comme vous le voyez, je suis minable, à bloc, comme vous voulez, mais là je me suis vraiment donné pour vous, histoire de faire le meilleur temps possible. Là je voulais vraiment aller le chercher ce segment, et pour l'instant je ne sais pas si j'ai gagné ce com. Alors ça, on va le voir ensemble. Voici donc ma réaction, voici donc la réaction quand je découvre mes statistiques. À part du malaise, ouais, j'ai failli vomir en haut. C'est pour ça que t'as mis du temps à descendre. Non, j'ai mis du temps à monter. Ah. À un moment j'ai cru que j'allais pas y arriver. T'es parti trop à bloc? Ouais, je pense. Tu vas enlever ton casque pour aérer ta tête? Oh. Tu peux faire quelque chose pour toi? Ça brûle à l'intérieur là. Ouais. Ouais, j'ai rarement été autant à bloc, je sais pas combien je suis monté. On va voir le temps en direct, c'est fini. Finish. 5-17. Ah. Voilà, bah. Un peu déçu. Ah, mais à la fin j'arrivais même plus à monter en fait, j'ai cru que j'avais posé pied à terre tellement j'étais lent. Donc en même temps ça m'étonne pas tant que ça. Oh la vache, ça brûle. Il fait trop chaud là pour faire ce genre de truc. Peut-être un petit manque d'échauffement peut-être. On va pouvoir analyser maintenant un petit peu cet effort en décomposant ce com. Tout d'abord j'ai mis 5 minutes 17 à faire le segment au complet, sachant que le record était de 4 minutes 12. Je ne suis donc pas dans le top 10 malheureusement, mais j'ai battu mon record de près de 4 minutes. Donc c'est quand même un bon score, mais bon, voilà, forcément je suis un peu déçu, j'étais venu pour gagner. C'est ouf d'être autant minable après 5 minutes d'effort. C'est un effort que t'as pas l'habitude de faire, hein. Mais si on analyse un peu plus en détail, on voit que sur la première partie, 2 minutes 10, je me serais classé dans les 5 premiers, ce qui est donc un très très bon score. Mais en fait, on voit bien que du coup, j'ai explosé sur la deuxième partie.
Rien qu'ici, en 1 minute 22, j'ai perdu près de 1 minute sur les premiers parce que j'ai roulé beaucoup moins vite. Mais il faut savoir qu'il c'est une course professionnelle qui termine ici. Donc ça se trouve, avec l'effet peloton, dans cette partie un peu plus roulante, ils avaient un gros avantage et ça leur a permis de rouler beaucoup plus vite que moi, seul hors course. Et sur la toute dernière partie, 2 minutes 17, bon là, c'est clair, je prends encore une fois une minute dans le... Enfin voilà, je perds une minute en l'espace de quelques centaines de mètres sur la fin de ce segment. Voilà pourquoi je n'ai pas eu le com aujourd'hui. Bon, j'étais un peu trop à bloc pour vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de trucs que je pourrais faire. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine. Bye bye.